Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un unboxing très spécial. Donc, commençons. Donc, c'est un projecteur halogène de 1000 watts. Voilà, voilà. Donc, que j'ai payé moitié prix. Voilà, donc de base, il coûtait 18,97€. Donc, je l'ai payé 9€. Je l'ai payé 9,49€. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait moitié prix. Voilà. Donc, grille de protection 220 à 140 volts, max 1000 watts. Voilà. Donc, le tube, l'ampoule, elle est intégrée. Enfin, elle est fournie avec. Donc, l'ampoule. Enfin bon, voilà, voilà. Donc ici on voit le projecteur. Voilà. Donc ensuite je vais vous le montrer. Donc je l'ai déjà sorti. Donc il était dans ce sachet. Ensuite ici on a une feuille qu'ils ont glissée dans le carton. Voilà. Donc je l'ai trouvé dans un magasin de déstockage. Donc ils ont mis une notice en français dedans. Enfin, les préventions et toutes ces conneries. Et ici, on a la notice d'origine. Donc voilà, donc c'est une langue assez spéciale, j'arrive pas à lire. Voilà. Enfin bon. D'ailleurs, pour la notice en français, vous pouvez faire pause pour lire. Voilà. Je sais pas si le focus se fait. Ensuite ce côté, voilà, donc c'est pas vraiment des informations très intéressantes. Donc ensuite ici on a le luminaire, voilà, donc là la fameuse grille de protection en acier, enfin en métal. Ici, la boîte de connexion. Donc, j'ai déjà mis un fil, enfin un câble avec une fiche. Ici, il y a le support pour le fixer. Voilà. Donc, quand je l'ai déballé, c'était comme ça. Donc, il est couleur noire, mat. Voilà. De côté. Donc, pour ouvrir le capot, il faut ouvrir les deux vis là. Pour ouvrir la boîte de connexion, il faut ouvrir les quatre vis ici. Donc, là, on a la norme GS. Donc halogène lampe, 220 à 140 volts, 50 à 60 Hz, max 1000 watts, IP44, en gros étanche aux projections d'eau. Voilà, donc il faut éloigner le phare de 1 mètre de tout objet, voilà, parce que ça risque de faire brûler l'objet. Si on met du papier à moins d'un mètre, ça risque de brûler le papier, c'est tellement puissant, voilà. Donc la boîte de l'ampoule, elle est ici. Donc l'ampoule, la boîte, elle était à l'intérieur de la lampe. Voilà. Elle n'était pas clipsée dedans. Donc halogène lampe, lamp, 240 volts, 1000 watts. Donc je possède aussi des 1000 watts comme celle-ci, mais de la marque Sylvania. D'ailleurs, je vais vous en chercher une. Je sais même plus où je les ai foutus. Ah si. Là. Voilà. Donc là, Sylvania. Donc voilà. Très stylé. Donc maintenant, je vais brancher le projecteur. Voilà. Donc j'ai mis un adaptateur au bout de la fiche. Ah oui, ici on a encore des informations. Donc il faut remplacer la vitre, celle-ci, si elle est cassée. Voilà, si elle est pétée, il faut la remplacer. Voilà, donc maintenant je vais le brancher. Donc c'est vraiment très très puissant. Voilà, on n'arrive pas à regarder à l'intérieur.
Voilà. Très 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 puissant. Enfin bon. Donc un projecteur très sympathique. J'aime bien. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!